le relais féminin du 4 x 100 mètres 4 nages. Oui, eh bien, à l'INSEP, au bord du bassin, je suis très très bien entouré, comme vous pouvez le constater, car j'ai la totalité de l'équipe de France du relais 4 x 100 mètres 4 nages à mes côtés, avec de droite à gauche, Annick de Susini, Nelly Saquet, ça y est, ça va venir, Guylaine Berger et Patricia Klug. Elles sont toutes là et elles vont se présenter elles-mêmes. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, car Annick de Susini a, elle, un micro en main. Alors Annick, présentez-vous, car nous ne nous adressons pas uniquement à des sportifs qui, eux, vous connaissent bien. Bon, je m'appelle Annick de Susini, j'ai 17 ans, je fais partie de l'INSEP, du Centre Sport Études de Paris. Je nage la brasse. Et vous la nagez bien? Je ne peux pas vous le dire. Si, vous la nagez bien. Je veux dire que vous avez battu encore récemment, lors des derniers championnats de France d'hiver qui viennent de se dérouler à Lille, deux records de France. C'est tout récent. Oui, c'est exact. Donc, ça va bien pour vous en ce moment? Ça va pour le moment. Bon, très bien. Nelly Saquet, elle est la nageuse de dos. Elle est à mes côtés. Vous voulez celui-là? J'allais vous donner le mien. Mais enfin, si vous préférez celui-là. Non, c'est comme vous voulez. Donc, Nelly, présentez-vous à votre tour. Je m'appelle Nelly Saquet. Je m'entraîne aussi à la section sport études de l'INSEP. Et je suis ici pour faire le 100 mètres d'eau. Oui. Et je suis aussi nageuse de 4 nages. Ouais. Bien. De l'autre côté, c'est Guylaine Berger, qui, elle, est la représentante de la nage libre. Guylaine Berger, qui est... Est-ce que je le dis, Guylaine, est-ce que vous êtes l'ancienne de cette jeune équipe? Si on peut dire qu'à 22 ans, on est l'ancienne, alors là, oui. J'ai 17 ans, je suis membre du Racing Club de France. Et vous êtes aussi record woman de France de votre spécialité? Oui. Quatre jeunes filles qui viennent des quatre points de la France. J'ai oublié de vous demander d'où vous veniez, Guylaine. Oui. Thierry, elles sont recordman, on vient de l'entendre. Record woman, bien sûr. Oui. Je sais que vous parlez l'anglais. Mais elles sont aussi toutes championnes de France. Oh, absolument. Enfin, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes championnes de France en titre, mais elles l'ont toutes été. Autrement dit, c'est les quatre meilleures qu'on puisse trouver. Ah, je crois. Je crois qu'il y a Guylaine Berger qui veut absolument que je dise qu'elle est de Suisse en brie, parce que sinon elle aurait des ennuis. Alors voilà qui est fait. Je peux vous dire, Philippe, que c'est en tout cas une équipe super sympathique et une équipe qui nage très très vite. Et je crois qu'au cours du petit mois qui commence, on aura l'occasion de le prouver. Ça commence par un 100 mètres de nage sur le dos. Ensuite, la brasse. Ensuite, le papillon. Le papillon dauphin. Et pour terminer, le crawl. Bien. Messieurs les arbitres, quand vous voulez, vous donnez le départ à Nelly Saquet, qui va donc être la première. Voilà, c'est parti. Donc, Nelly Saquet revient. Elle a effectué 75 mètres et on peut dire, Gérard Garoff, que la jeune personne qui va succéder à Nelly Saquet, c'est-à-dire la championne de brasse Annick de Susini, a atteint en quelques mois le niveau mondial, ce qui semble donner davantage de crédit encore à vos paroles, à savoir que pour se rapprocher des colosses, les Allemands de l'Est, les Américains, et les Soviétiques, qui auront lieu les prochains Jeux Olympiques, eh bien, il faut travailler comme eux, c'est-à-dire 4-5 heures par jour. Hein. Thierry Roland, bien, oui. Pardonnez-moi, combien a fait Nelly Saquet et combien aurait-elle dû faire pour être dans les temps, pour le rattrapage, s'il y avait eu le rattrapage? Le temps total de l'équipe, Philippe, je ne vous entends pas bien car il y a beaucoup d'ambiance, doit être de 4-41 pour le rattrapage s'il avait été officiel. Et vous ne savez pas combien devait faire Nelly Saquet, la première concurrente? Ah, eh bien, c'est-à-dire que là, ça dépend un petit peu des chronométrages, mais en fait, c'est l'équipe. L'une rattrape l'autre. C'est cela, où elle devait faire dans les 1-12 ce qu'elle a dû faire. Pour la prochaine fois, essayez de nous donner des repères intermédiaires quand même, au cas où il y aurait suspense. Il n'y en a pas ce soir, pas de problème. Ah ben logiquement, vous devriez avoir un chrono qui défile. Oui, mais on ne sait pas quelle est la moyenne nécessaire. Ah oui, d'accord. Hein? D'accord. On regarde, mais c'est splendide. Annick de Susini, qui est record woman de France du 100 et du 200 mètres brasse, qui est une championne, on peut le dire, de niveau mondial maintenant. Elle peut en tout cas atteindre la finale à Berlin dans quelques mois. Hein. Sans préjuger de ce qui se passera dans quelques mois, on peut dire qu'elle est très bien partie pour être dans toutes les meilleures dans les toutes meilleures du monde, en effet. C'est Guylaine Berger qui va terminer en nage libre. Voilà. Au 300 mètres, 3 minutes 34 et 36 centièmes. Et on va connaître, voilà, dans quelques instants. Top! Bravo! 4 minutes le temps officiel. 47 centièmes. Combien? 4, 34
et 47 centièmes. 4 minutes 34 secondes et 47 centièmes. Je peux pas vous le dire.